Je m'appelle Tiffaine Tenot, je suis infirmière en pratique avancée au CHU de Poitiers et je travaille actuellement à la prison de Vivonne, à l'unité sanitaire. Alors, le métier d'IPA, c'est un nouveau métier depuis 2018. C'est une évolution du métier socle d'infirmière qui nécessite une reprise d'études universitaires pendant 2 ans, une première année de tronc commun et une deuxième année de spécialisation. Je serais une fourmi par son côté organisé et travailleur. Ça correspond vraiment à ma reprise d'études. Et puis parce qu'une fourmi, ça ne travaille pas toute seule, mais en équipe. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma mission au sein de la prison. On travaille dans une belle équipe, donc voilà, une fourmi. Alors l'idée, c'est de développer les compétences infirmières, notamment cliniques, travailler sur l'autonomie aussi, mais pas que. On a des notions plus poussées en sciences infirmières, en santé publique et en recherche aussi. Alors je vais reprendre la phrase de Jean d'Ormesson, merci pour les roses et merci pour les épines, parce qu'une reprise d'études, c'est pas lisse, c'est pas simple, il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui j'ai fait des belles rencontres, donc c'est la phrase que je retiens aujourd'hui. Alors j'ai choisi un héros pas virtuel, mais j'ai choisi Simone Veil, une héroïne qui s'est battue pour les femmes déjà dans un premier temps, et surtout pour la dignité de la population carcérale, et ça a tout son sens dans mon métier aujourd'hui. Alors l'intérêt, il est essentiel et multiple. Déjà, la population carcérale, c'est une population qui est peu connue dans la littérature, qui arrive avec plein de vulnérabilités, souvent éloignée du parcours de soins. C'est une population actuellement en surpopulation, qui vieillit, qui est porteuse de maladies chroniques, donc qui a besoin de temps de dépistage, de temps d'éducation à la santé et surtout de mener un gros travail vers la réinsertion. Donc l'IPA s'inscrit vraiment sur ce parcours-là, aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire, dans l'objectif que tout se passe pour le mieux, en sachant qu'il faut vraiment rappeler que les détenus, ils sont certes privés du droit d'aller et de venir, mais pas du droit à la santé. Donc c'est vraiment une mission soignante importante aujourd'hui.